Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de la dernière quinzaine de ce mois de novembre. Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message pour vous aider à mieux avancer et à appréhender ce qui pourrait se passer. C'est un tirage, oui, plus spécifique, plus spécifiquement pour toutes les vierges, hein, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Mais il n'en reste pas moins que c'est un tirage quand même qui est général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, selon vos ressentis, ce qui vous fait vibrer et laissez tout simplement le reste derrière vous. Tout ne peut pas être uniquement pour vous. Donc, prenez les messages vraiment judicieux pour vous-même. Alors, on va commencer par aller voir votre énergie, l'énergie générale qui va vous accompagner durant cette dernière quinzaine du mois et en même temps qui pourrait nous donner le ton du tirage. Donc, quelle est cette énergie qui va vous accompagner, les Vierges, durant cette dernière quinzaine du mois? Elle est juste ici. Oh, l'empereur! Ben, vous avez certainement envie, ou en tout cas, l'empereur va vous apporter beaucoup plus de stabilité, de bienveillance, de l'idée d'avancer, de construire, hein? Si vous êtes en plus, je ne sais pas moi, sous le signe du bélier, de par votre ascendant, votre signe lunaire ou quoi que ce soit, hein, le bélier qui est fonceur, qui a envie d'avancer pour ce qu'il a envie de construire, de bâtir. Comme cet empereur, mais qui utilise énormément, c'est une carte qui peut vouloir vous parler de discipline, de règles, on n'aime pas ça, mais c'est nécessaire bien souvent pour atteindre nos buts, nos objectifs. C'est quand même un empereur, hein? Donc il est au-dessus de tous les rois et il a aussi toutes les vertus de chacun des rois. Donc, il maîtrise ses émotions, il maîtrise ses désirs, ses envies, il y a beaucoup de détermination, de volonté, de confiance en lui. C'est un leader aussi qui dirige ses troupes pour pouvoir réaliser, pour pouvoir manifester ce qu'il souhaite manifester dans sa vie. Donc, certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà avec l'énergie de cet empereur, et peut-être que pour d'autres, il sera nécessaire d'adopter l'attitude de l'empereur. Mais on va aller voir de toute façon plus loin pour commencer avec un premier tirage en croix avec le petit Lenormand pour en apprendre plus du reste du pourquoi que cet empereur s'est présenté à vous. Et aussi, bien évidemment, ce qui va se manifester durant cette quinzaine. Alors, on commence avec, oh, la fidélité. Mais ça vous représente, hein, quelque part, c'est votre énergie. Vous êtes probablement quelqu'un de, oui, de fidèle, de loyal, quelqu'un qui aime aider les gens autour de lui, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un avec qui on peut se confier. Pour moi, ça peut être un guide aussi, hein, puisque ça existe des chiens guides. Ça peut vraiment être quelqu'un qui, certainement que vous aimez guider les gens, les aider à avancer. Ben oui, vous avez une énergie de leader, mais un leader bienveillant qui est là pour faire grandir les gens. Le chien, ben aussi, il est sincère, il est fidèle, mais il protège aussi, hein. Donc, ça fait partie de probablement de vos vertus, de vos qualités. Et en tout cas, c'est comme ça que vous vous sentez à partir de la fin du mois de novembre. Oups, on a nos oiseaux ici, on a des conversations, ça peut parler des rumeurs, des ragots, des discussions tendues. Il pourrait avoir certaines communications peut-être un peu difficiles ou en tout cas très animées. Peut-être plus que d'habitude. Avec le serpent, c'est sûr qu'on peut vous parler. Je ne vous cacherai pas que ça peut être des conversations
un peu malveillante. Hein? Le serpent, il nous parle de manipulation, de jalousie, de peut-être de trahison, d'hypocrisie, peut-être en quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous allez découvrir que cette personne-là n'est pas aussi honnête que vous, en tout cas, hein? Parce que vous, vraiment, vous êtes la personne fidèle, loyale, et ça va vous amener à prendre une décision importante, hein? Peut-être à savoir, est-ce que vous continuez à garder cette personne-là dans votre entourage? Mais pour certains, sachez que ça peut être une discussion animée qui va vous apporter. Pour moi, le serpent, c'est puisqu'il change de peau, il se transforme. Ça peut être une conversation qui va vous apporter quelque chose d'important, qui va vous permettre de vous transformer ou de transformer le sujet de cette discussion-là et à partir de là, de faire le choix le plus judicieux, le plus impactant pour vous. D'autant plus qu'on a le chiffre 22 et c'est un métronome, le 22, hein? Oui, si on prend le 2 toute seule, c'est la dualité. De là, l'idée de faire un choix et qu'on veut faire le meilleur choix possible et que parfois, ben, sur le moment, dans l'instantané, on ne sait pas trop. Mais en même temps, c'est le bâtisseur, le 22, hein? Donc, ça vous parle que vous pouvez manifester, vous pouvez construire ce que vous voulez, bâtir ce que vous voulez, comme cet empereur qui est un constructeur, qui est un bâtisseur pour accroître ben, son empire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? On parle de messages. Il va y avoir des communications, des discussions ben, au téléphone, en FaceTime ou peu importe, qui va vous apporter un message, oh, un message vraiment très impactant avec le cœur. D'ailleurs, je vais le mettre. Un message, oui, qui va vous impacter au niveau émotionnel. Ben, peut-être que pour certains, ça pourrait être un message d'amour. Pourquoi pas la conversation ici, animée, ça peut être avec votre tendre moitié, sait-on jamais. Mais on a des messages ou par rapport à quelque chose qui nous passionne, qui nous tient à cœur, ou qui nous donne ben, de la joie, du bonheur, qui nous fait vibrer, qui nous réveille peut-être même certains sentiments. Ça peut parler d'une période même de calme, de satisfaction en quelque part, hein? Une nouvelle, un message qui vous apporte ben, du calme, plus de satisfaction, qui vous ramène peut-être même de meilleures énergies. On va aller voir plus loin avec le tarot. Et j'en ai une qui vient de sauter. Ben, j'imagine que vous l'avez vue parce qu'elle est allée se mettre sous la Vierge, sous votre signe. Et on a le 10 d'épée. Bon, mais j'ai le sentiment ici que vous avez mis beaucoup d'énergie dans une situation, un événement. Et là, peut-être que c'est ça le message qui va vous calmer, vous apaiser, qui vous fait vous rendre compte que ben, c'est derrière vous, que le pire est derrière vous. Vous constatez que tout ce que vous avez fait, toute l'énergie que vous avez donnée, qui était humainement possible d'apporter dans cette situation-là, ben que là, ça donne plus rien. Vous êtes arrivé au bout et que la meilleure solution pour vous, c'est de laisser derrière vous. Et ça va vous apporter une grande satisfaction émotionnelle, un grand soulagement, j'ai le sentiment. Peut-être est-ce que ça va s'arrêter un petit peu par magie, sans que vous l'ayez trop instauré, mais à cause du 9 de coupe qui peut parler d'un souhait réalisé. Peut-être que inconsciemment ou même consciemment, vous avez souhaité que cette situation-là dans laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie prenne fin. Et donc, ça se fait comme ça parce que vous l'avez demandé. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Les vierges. Et ça va vous permettre d'aller chercher une opportunité, comme un peu comme un cadeau que la vie vous envoie.
une plus belle opportunité, le fait de vous dégager de cette situation-là qui vous prenait peut-être beaucoup, beaucoup de temps, peut-être que ça vous démoralisait, que ça vous démotivait d'avancer vers autre chose de plus important pour vous. Et là, c'est comme si la vie vous tendait une coupe, vous tendait une opportunité de construire à partir de vos désirs, de vos envies. C'est comme de reprendre, hein, un peu comme l'empereur, de reprendre la mainmise sur votre vie, de vous en aller vers ce que vous avez vraiment envie. Parce qu'en quelque part, dans le cadre de couple, il y a aussi un peu de réflexion, un peu de méditation. Hein, le jeune homme, il est assis, jambes croisées, bras croisés. Oui, il est certainement un peu démotivé, un peu déçu par tout ce qui a donné dans ce 10 d'épée, mais à partir du moment où vous prenez votre décision que, OK, c'est assez, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et la vie va vous apporter, va vous tendre une coupe pour avancer, une opportunité, quelque chose à saisir, quelque chose de passionnant que vous avez envie d'attraper, hein, avec le roi de bâton. Oh, puis ça risque d'arriver beaucoup plus rapidement que vous le pensez avec le 8 de bâton. Ça peut même être un désir de voyage. Le 8 de bâton peut nous parler à l'occasion de voyage, un voyage en avion. Ça peut être pour les affaires, mais ça peut être aussi au niveau personnel, peut-être pour vous dégager de ce 10 d'épée, d'aller comme vous ressourcer, vous réénergiser. Mais ça nous parle qu'à partir ici de la réflexion, de la méditation, d'avoir attrapé cette coupe, cette opportunité que la vie vous tend, mais ça va avancer très rapidement. Aussi, il y avait des choses dans votre vie qui stagnaient, qui étaient un peu à l'arrêt, ben tout va reprendre son cycle. Parce que le 8 de bâton nous parle de synchronicité, d'opportunité, d'un flux rapide que vous devez saisir pour ne pas arrêter ce flux. Ça nous parle aussi de, ben oui, de rapidité. Ajustez-vous au rythme. Et pour certains, oui, ça peut être un voyage à l'étranger. On va aller voir avec nos oiseaux la communication animée. De quoi est-ce qu'on vous parle? On vous parle du 10 de denier. On vous parle d'abondance. Peut-être vraiment une discussion qui va vous permettre de prendre un autre chemin, qui va vous transformer pour aller chercher quelque chose de plus impactant au niveau financier et matériel. Le 10 de denier, on est très confortable. Ça peut parler d'héritage pour certains, un héritage familier. Ça peut être sous forme, ben, je sais pas moi, d'hériter d'une maison. C'est pas nécessairement de l'argent sonnant, mais ça peut être sous forme de patrimoine, de quelque chose au niveau familial, que vous héritez de ça. Ça peut être aussi une chance qu'il y a de l'argent qui vous arrive auquel vous attendiez pas. Mais c'est quelque chose qui fait grandir vos ressources matérielles et financières. Wow, on parle du magicien. Donc là, vous avez tous les outils. Tous les outils qui vont vous être nécessaires pour laisser une certaine prison mentale, des idées peut-être qui vous viennent du 10 d'épée, qui vous démotivent, qui vous découragent, qui vous rabaissent d'une certaine façon, qui vous dévalorisent. Mais vous avez tous les outils à l'intérieur de vous, à votre disposition, pour vous en défaire et de voir la vie. Je dirais, de voir toute la richesse que vous avez dans votre vie et qui va arriver aussi. Pour certains, ça peut parler
de partager vos richesses, mais je ne fais pas allusion juste aux richesses financières, ça peut être de partager vos connaissances, votre expérience, vos acquis, votre façon de voir la vie, votre humour, mais quelque chose qui va impacter autour de vous, qui va comme laisser votre empreinte au monde, à votre famille, à votre entourage. Ouais, parce que là, on voit que avec la persévérance, hein, du neuf de bâton, en fait, on vous conseille de continuer à vous battre pour ce que vous désirez. Que oui, vous avez mis beaucoup d'efforts pour autre chose, hein, ça n'a pas de lien avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est derrière vous. Ça vous quitte, vous devez l'abandonner. Et que ce sont vos outils à l'intérieur de vous qui vous permettent de persévérer, d'avancer, de lutter d'une certaine façon pour ben, vos acquis. Vous êtes un peu fatigué, un peu épuisé, c'est normal, mais le 9 de bâton vous encourage à poursuivre parce que vous êtes comme à un tournant de la réussite, d'arriver où vous voulez arriver, d'autant plus que l'énergie du dos de deck, c'est le 4 de bâton, c'est la célébration, ça apporte beaucoup plus de stabilité dans votre vie. C'est une forme de réalisation, le 4 de bâton. C'est plus d'équilibre, plus de stabilité et en plus on célèbre. Donc, possiblement, vous allez célébrer de ne pas avoir laissé tomber, d'avoir continué malgré ben, votre abattement, malgré votre fatigue, une certaine forme d'épuisement, mais qu'il vous reste justement encore des efforts pour terminer la petite portion qui reste pour arriver à la réussite. D'autant plus que le 10 de bâton est là. Voyez-vous, tous les efforts que vous avez mis, vous allez pouvoir les quitter, les laisser tomber, en suivant plus votre intuition. Parce que l'étoile, ben, ça peut être un vœu réalisé. D'autant plus, vous avez eu le 9 de coupe aussi tantôt. Ça peut être un vœu réalisé. En tout cas, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est la promesse des jours meilleurs, mais en même temps, de vous ouvrir à votre intuition, de vous laisser guider, ben, par l'univers, par votre âme, si vous préférez, ou ce en quoi vous croyez. Parce qu'ici, il y a trop de charges, il y a trop de responsabilités, il y a trop de tâches, et là, il est temps d'en déléguer, d'en laisser tomber, d'en laisser derrière vous pour avancer. Oups, pelaye, j'ai tout échappé encore. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour accompagner ce 10 de bâton? Ça peut être aussi de faire le choix ici, hein, que vous trouvez très difficile. D'y aller ben, avec peut-être plus de légèreté, hein, avec sans trop vous casser la tête, oui, en laissant la vie vous guider avec l'étoile. C'est un cadeau aussi que la vie vous fait. On a encore la célébration, la joie, le bonheur d'une certaine façon avec le 3 de coupe. C'est une énergie similaire au 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est beaucoup plus on amène une stabilité, une construction solide dans notre vie. Le 3 de coupe, on célèbre, on s'amuse avec nos amis. C'est la joie, c'est le bonheur. On vous dit que vous n'êtes pas seul et que d'aller vous ressourcer entre amis, ça peut vous faire un grand bien. Hein? Des fois, de laisser tomber la vapeur sur ce qu'on trouve lourd, sur les derniers kilomètres qui nous restent à faire, ben pour vous réénergiser, pour ensuite ben, avancer de façon plus éclairée, de meilleure façon, avec plus de légèreté. Dans le 6 de coupe, il y a une notion de cadeau hein, aussi. Le jeune homme qui remet un bouquet de fleurs à la jeune fille, c'est un cadeau aussi de l'univers qui vous arrive. Eh bien, le cadeau de l'univers, c'est qu'il va avoir un éclair, une solution. Vous allez trouver une idée géniale qui va vous permettre d'avancer vers où vous voulez, malgré la confusion du choix à faire qu'on a ici. Cavalier d'épée, il amène toute sa détermination, sa volonté, mais il solutionne quelque chose, il trouve une solution, une réponse à ce qu'il cherchait.
peut-être pour faire les derniers kilomètres qu'il vous reste à faire, pour faire croître cette opportunité-là. Ça se peut, hein, que vous soyez épuisé parce que le 8 de bâton, il vous a apporté beaucoup de synchronicité, beaucoup d'opportunités que vous avez attrapées. Donc, à un moment donné, vous étiez quand même là, ici, à un rythme effréné. Mais il y a vraiment une idée, une solution, quelque chose d'éclairant qui arrive pour vous, pour solutionner et peut-être pour vous-même vous alléger de ce 10 de bâton-là. Et c'est un cadeau de l'univers. Parce qu'en même temps, vous allez devoir laisser quelque chose qui vous a déçu. Moi, je pense que c'est un peu le 10 d'épée. Que tout découle de laisser cette situation, cet événement derrière vous, de cesser de vous battre. Vous en êtes rendu à laisser ça derrière vous, de cesser vos combats intérieurs et d'attraper ce qui vous reste, tout ce qui vous reste pour continuer à construire ce que vous souhaitez construire. Je vais aller mettre une autre carte sur ce 5 de coupe. Voyez-vous, construire parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose d'emballant, quelque chose qui va vous redonner le boost. En prenant ce qui vous reste de cet événement ici du 10 d'épée, vous allez pouvoir partir d'un nouvel élan. Il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, qui va vous donner envie d'avancer. Et c'est probablement ici la coupe que l'univers vous tend. C'est un cadeau qu'elle vous fait. Et là, vous allez vraiment avancer encore une fois avec les idées claires, avec justesse, avec équité, avec impartialité. En étant juste, autant pour vous, pour les autres. Puis ça va vous donner vraiment la reprise de votre pouvoir, de cet empereur, de couper, de trancher, de prendre les décisions les mieux, en toute justesse, en toute équité, autant pour vous que pour les autres, pour avancer vers cet élan, ce début de quelque chose qui se réveille, quelque chose de passionnant, d'intéressant, qui vous donne envie vraiment d'y aller, de bouger. On va aller voir une carte conseil ou une carte, en tout cas, qui pourrait vous redonner peut-être un peu la pêche, vous redonner envie vraiment d'avancer vers cet as de bâton, cet élan qui vous pousse à avancer vers l'opportunité que l'univers vous tend et le courage peut-être de délaisser ici le 10 d'épée et le 5 de coupe parce que de toute façon, le pire est derrière vous. Ben oui, ça vous a déçu, c'est certain, ça vous a peut-être même fait de la peine, ça vous a peut-être apporté certains regrets, peut-être d'avoir été continué aussi loin, d'avoir mis de l'énergie dans cette situation-là ou cet événement-là, mais sachez que ça vous a appris quelque chose, ça vous a grandi, hein, d'autant plus qu'on a le 10 de denier qui extérieur à vous, mais qui apporte quelque chose de bénéfique, qui vous fait probablement voir tous vos acquis, toutes vos expériences, tous les outils qui sont à l'intérieur de vous pour vous donner envie de continuer, de ne pas lâcher. Ah, tout se place sur mon chemin. Oui, l'univers est avec vous. Vraiment, avec cette coupe, et ici, hein, cette coupe, ce 4 de coupe et ce 6 de coupe, le cadeau que l'univers vous fait. Mais laissez vos regrets, votre tristesse, votre déception, ben vivez-la, mais éventuellement, relevez-vous avec ce qui vous reste pour avancer. Waouh, c'est une très belle carte! Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière. Vous aviez l'étoile vers ma réalisation. Oui, vous pouvez bâtir, hein? Vous avez et l'empereur et le magicien. Donc, vous pouvez vraiment bâtir votre réalité, manifester ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source,
Parce qu'on est toute une fractale de la source, hein? On est toute une fractale du divin qui est à l'intérieur de nous. C'est à nous aussi, en quelque part, de décider de la faire grandir, de lui faire confiance et de aussi faire confiance par la même occasion à vos intuitions. Vous avez quand même trois cartes de coupe qui nous parlent d'intuition. Vous avez aussi quatre cartes de bâton qui nous parlent de désir, d'envie, d'avancer et de croître ce que vous avez. Puis vous avez vraiment deux cartes majeures importantes qui vous y aident. Ben voilà les Vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous encourage à poursuivre sur votre chemin, d'autant plus que tout se place. L'univers est là pour vous accompagner. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées complètement en bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, ben, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, de par vos likes et vos commentaires qui, je crois que vous commencez à le savoir, mais m'apportent beaucoup. Ça me fait un grand plaisir de vous lire. C'est tellement agréable et ça me démontre de votre intérêt aussi à la chaîne, de par votre présence et de par aussi votre fidélité et toutes ces petites actions. Alors, merci beaucoup. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.